아저씨가 나타나기 전까지 저는 매일 죽음만을 생각했던 사람입니다. 모르겠어! Ben, je trouvais l'intrigue prenante et très, très mystérieuse. Il était génial. Ben, en fait, quand j'ai lu le synopsis, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de film. J'imaginais plus vraiment, plus tourné enquête policière. J'étais plus habitué jusqu'à maintenant au polar qui tranche, qui... J'ai beaucoup aimé, je me suis fait mener un petit peu en bateau, un petit peu jusqu'au bout, et l'acteur et l'actrice sont vraiment excellents, beaucoup d'émotions. Enfin, j'ai pas trop accroché celui-là, quoi. J'ai trouvé ça un peu trop mélodramatique, excessif. Je connais pas bien le cinéma coréen, pour moi c'était assez exotique, assez nouveau. La fin est un peu larmoyante, un peu les effets sont un peu appuyés. 심지어는 딱 하는데 이 물증이 딱 없는 거야. 지금부터는 누가 먼저 무너지느냐? Je n'avais pas deviné la suite du scénario, donc ça m'a surpris. Voilà, j'étais transporté par l'histoire. Et franchement, c'est juste sublime. Je sors là, je suis encore. Il y a tout un mélange d'émotions. C'était vraiment un super beau film et je regrette pas du tout d'être allé le voir.